heureux anniversaire, Madame Hawkins. Vous paraissez plus jeune chaque année. Ah, pas tant de compliments, John Harrow. Mais la musique et les bons amis me réjouissent toujours. Où est Jim ? Dans la cuisine, je crois. Écoutez-moi ça. Il va y avoir du tonnerre et des éclairs. Alors dépêche-toi d'aller te cacher dans une armoire. Ouh, c'est toi qui as fait ce beau gâteau ? Non, c'est pas moi. Je te prie de pas les raconter que c'est moi. Jim Hawkins a fait un gâteau. Jim Hawkins a fait un gâteau. Non, c'est pas moi. C'est les filles qui font les gâteaux. Maman a fait ce gâteau elle-même. Elle a tout de même bien droit à un gâteau le jour de sa fête. Oh, Jim a laissé tomber le gâteau. Jim a laissé tomber le gâteau. Jim a laissé tomber le gâteau. Cesse de me suivre comme un petit chien. Que Dieu me pardonne. Mais, Jim, ce n'est pas toi qui aurais fait ce gâteau. Ah, voilà le gâteau que tu as fait, maman. J'espère qu'il est bon. Le meilleur de ma vie. Je lève mon verre à Jim Hawkins, propriétaire de l'amiral Benbow. Ouais. Eh ben, je ne sais pas trop quoi dire, mais depuis que papa est mort et qu'il faut que maman fasse tout le travail, je me réjouis chaque année qu'elle vieillisse. Parce que moi-même, je vieillis aussi. Et que bientôt, je pourrai faire tout le travail au lieu de faire des discours. Que tout le monde aille dans la grande salle et nous découvrons le gâteau. Prenez la peine de vous asseoir. Oh, Jim, tu entends les fenêtres? Va donc les fermer, veux-tu? À ton service, maman. Quoi encore? J'ai peur. Tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Ah, ce sont les filles qui me rendent nerveux. Pourquoi tu vas pas en bas où il y a des tas de gens pour te rassurer? Qui donne sur la mer. Par ici, monsieur. Avez-vous déjà vu cet homme dans la région? Je trouve qu'il a l'air d'un marin. Il n'est certainement pas de la contrée. Hé! Je veux un gobelet de rhum. Oui, monsieur. Regarde, Jourdeau. Attention à mon coffre. Ben. Et maintenant, tu n'as jamais fait ce voyage, tu m'entends? Tu ne m'as jamais vu et tu ne sais rien sur mon compte. Va-t'en. Qu'est-ce que vous guettez donc? Les étrangers, mon fils. Les étrangers. Je n'aime pas que des étrangers m'abordent soudainement. Ça me fait bondir comme un marsouin, ma parole. Peut-on savoir ton nom? Jim Hawkins. Écoute un peu, Jim. Toi et moi allons être camarades. Tu recevras une belle pièce de 10 pence toute neuve à la fin de chaque mois si tu ouvres l'œil sur les étrangers et si tu préviens le vieux capitaine dès qu'il en pointera un à l'horizon. Quelle espèce d'étranger? Des gens de mer. Mais... N'importe quel gens de mer? Non, 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 mon fils. Ces gens de mer dont je parle ont une armature spéciale. Mais surtout, je tiens à ce que tu m'avertisses sans retard si tu vois un vieux marin avec une seule jambe. Un vieux marin avec une seule jambe? Ouais. Mais sur mon âme, monsieur, qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, mais t'occupe donc pas de ce qu'ils veulent. Descends vite et rapporte-moi un gobelet de rhum. Une double portion, Jim, parce que je suis au calme plat.
au calme plein sur un océan de soucis. Et il faut que je remette du vent dans mes voiles. Oui, monsieur. Qui est-il, Jim? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Quelque chose à propos des gens de mer, sans oreilles, sans jambes et sans... Ah, tu peux jeter l'ancre, mousse. On va vider les barriques sur le champ. Du rhum pour tout le monde, que je dis. Voici un nouveau port tout plein de jolies filles et de jeunes et forts gaillards. Sonne le branle-bas des réjouissances. Remplir son estomac de grog, voilà la seule chose capable de faire dégeler les deux pôles, que je dis. Hé, restez assis. Du rhum. Je ne suis pas porté sur l'alcool, monsieur, et puis nous devons partir maintenant. Il se fait tard. Partir, que tu dis? Tu vas rester. Vous allez tous rester. Asseyez-vous sur vos boussoles. Jim, mon gars, le rhum. Je ne suis pas comme les autres gens de mer, moi. Chanty. Voilà comme je suis, et une vraie colombe, camarade. Pas comme des marins que j'ai connus quand ils ont pris à l'abordage un brick espagnol tout rempli de seigneurs de Castille avec leurs belles épouses. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Gentils comme moi, vous croyez? Non. Ils ont coupé les seigneurs en tranches comme du pain et les ont jetés en pâture aux requins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux belles dames? Après leur avoir fait subir les derniers outrages, comme on dit, excuse-moi, moussaillon, ils ont ouvert les veines de leurs bras d'un blanc de perles et ont employé ce sang si bleu à réchauffer leur robe. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait ensuite? Dieu me bénisse, monsieur! Ça ne vous suffit pas? Écoute, Jim, ils ont chanté cette chanson en chœur. Dix, sept hommes sur un cercueil noir. Yo, oh, oh, et une bouteille de rhum. Allons chanter tous ensemble pour leur voix. Allons! Dix, sept hommes sur un cercueil noir. Yo! Oh, oh, et une bouteille de rhum. Donne-moi, vieux diable, un dernier espoir. Yo, oh, oh, et une bouteille de rhum. Chantez bouteille de rhum. Bouteille de rhum, vieille sorcière. Bouteille de rhum. Bouteille de rhum. Reprenons tous en cœur. Chantons! 17 hommes sur un cercueil noir. Yo, oh, oh, et une bouteille de rhum. Donne-moi, vieux diable, un dernier. Docteur Lipsey? Madame Hawkins? C'est maman, c'est la fête de maman, monsieur, et on l'a célébrée avec quelques amis. Mais mes compliments, Madame Hawkins. Un peu d'eau de vie. Avec plaisir, monsieur. Allons, camarades, recommençons en chœur. Je croyais que nous allions avoir de l'orage, mais il semble que... Silence, là, dans l'entrepont. Vous adressiez-vous à moi, monsieur? Le vent souffle-t-il avec une telle violence que vous ne m'entendez pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne répondrai que ceci, monsieur, je ne vous connais pas. Mais en jugez par votre aspect, si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt délivré d'un fort sale ruffien. Ah, là, je vais te couper en deux, espèce de... Si vous ne rengainez pas ce coup-là à l'instant, je vous promets, sur mon honneur, de vous faire pendre. Vous apprendrez, monsieur, que je ne suis pas seulement docteur, mais magistrat ici. Si je recueille une autre plainte à votre égard, pour un manque de politesse comme celui-ci, vous serez expulsé du pays. Que cela suffise. Je vous fais mes excuses, monsieur.
Ce n'était qu'un excès de colère d'un pauvre vieux marin qui s'est versé un peu trop de rhum dans la cale. Je vous demande pardon. Bonne nuit, madame O'Keefe. Au revoir, madame O'Keefe. Bonne fête, madame O'Keefe. Bonne nuit, madame O'Keefe. Grâce au ciel, Jim, cet homme n'était que gonflé de paroles. Ben, Dieu me bénisse, monsieur. Mais il chante joliment bien. Sur un cercueil noir, 18, 19, 56 hommes sur un cercueil noir, yo, et une bouteille de rhum, donne-moi vieux diable la dernière espoir. Salut Piston. Viens ici mon gars. Un peu plus près. Ah. Et est-ce que ce couvert est mis pour mon camarade Bill? Je ne connais pas votre camarade Bill. Mais Bill n'habite-t-il pas ici? Non, personne d'autre que le capitaine. Oh, capitaine, vraiment? Oh, écoutez, monsieur, je... Ah. Voilà mon vieux camarade Bill qui arrive. Que le bon Dieu le bénisse, parole d'honneur. Bim, mon gars, du rhum, encore un calme plat. Oh! Voyons, Bim, tu me reconnais. Tu reconnais un vieux camarade, sûrement. Chien noir. Chien noir, plus noir que jamais. Qui est venu voir son vieux camarade, Bim. Eh ben, parle donc. De la bière, Piston, de la bière. Eh bien, écoute, Bill, je t'ai cherché partout. Non, mille sabords! Laisse-moi tranquille avec cette histoire. S'il faut être pendu, que nous le soyons tous. First, je vais te faire éclater le corps. Quatre! Ah, maudite contre la tête. La prochaine fois, je vous ai le milieu. Calme-le, Jim. Je reviens tout de suite. Mais où vas-tu? Chez M. Dooley. Lui demander d'aller chez le Dr. Livesey pour que lui et ses constables chassent cet homme de ma maison, sur l'heure. Durham, Jim. Durham. Vous êtes blessé? Il faut que je m'en aille d'ici, Jim. Il faut que je largue mes amarres. Capitaine, vous avez trop bu. Rappelez-vous ce que le docteur vous a dit. Ah, les docteurs sont tous des imbéciles. J'ai vécu de Rome, je te dis. Ça a été pour moi la viande et le pain, l'ami et l'épouse. Et j'ai besoin de Rome maintenant, Jim. Mais maman a mis tout le Rome sous clé et elle a dit que c'est vous... Ah, il faut que tu m'en donnes, Jim. Il faut que tu m'en donnes. Regarde, je vois comme tous mes doigts tremblent. Je ne puis l'empêcher, Jim. Il faut que j'ai un verre de Rome. Sinon, des revenants viendront me tourmenter. Et alors je verrai Flint là, derrière toi, dans ce coin, aussi clairement que je te vois. Flint, c'est l'homme à la jambe de bois? Non, mais celui-là viendra aussi. Ils seront tous ici si tu ne me donnes pas de rhum. Oh, voyons, dépêche-toi avant qu'ils viennent me glisser la tache noire. Qu'est-ce que c'est que la tache noire? C'est un avertissement, Jim, un avertissement. Est-ce qu'ils veulent vous tuer? Non, non, c'est mon coffre de marin qu'ils veulent prendre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pièces d'argent, des perles aussi grosses que des œufs d'autruche, tout l'or auquel tu as jamais pu rêver. Et tout cela pour un gobelet de rhum. Un demi-gobelet suffirait-il? Ha ha, voilà qui est parlé. Remplis-le, mon gars. Attendez, je vais voir. Se trouvera-t-il une âme charitable pour renseigner un pauvre aveugle qui a perdu le plus précieux des biens en défendant l'Angleterre? Que Dieu protège le roi George, et qui pourra me dire dans quelle partie du pays je me trouve en ce moment? À l'auberge de l'amiral Bembo, Black Hill Cove, monsieur. Ah, j'entends une voix.
une voix aimable. Voulez-vous prendre ma main, mon bon jeune homme, et me diriger? Certainement, monsieur. Je vais... Et maintenant, mène-moi au capitaine. Oh non, monsieur, parole d'honneur, j'ose pas. Conduis-moi droit à lui ou je te casse le bras. Oh, qu'est-ce que j'en dis, c'est pour votre bien, monsieur. Il a un grand coutelas et un autre gentilhomme, c'est déjà... En avant, marche. Très bien, monsieur. Et Bill, mon vieil ami Pio, reste assis où tu es, Bill. Là, bien tranquillement. Je ne vois pas, mais j'entends bouger même le petit doigt. Les affaires sont les affaires. Conduis-moi tout près de lui. Bill, mon petit gars, prends sa main et mets-la tout près de la mienne. Là, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. À 10 heures ce soir. La tache noire. Ils vont revenir sûrement. Qui va revenir? Mais les hommes qui voulaient tuer le capitaine, ils veulent s'emparer du trésor qui est caché dans son coffre. Sauvons-nous tout de suite. Non, non, le capitaine nous doit de l'argent. Allons d'abord chercher ce qu'il nous doit. Ils peuvent pas prendre ça. Jim, j'ai tellement peur. Mais je suis là pour te protéger, maman. Moi... J'ai pas peur. Nous ne devrions pas, Jimmy. Viens donc, maman. Il a dit qu'il y avait de l'or, de l'argent et des perles grosses comme des œufs d'autruche. Nous leur montrerons que nous sommes honnêtes. Nous prendrons notre dû et pas un sou de plus. Mais il n'y a rien du tout là-dedans. Voici un peu d'argent. Ouvrons la porte. On fouille là. Avec ce madrier. Allez, on fouille là. Allez, frappe dedans. Je vais emporter ce que j'ai. Bill est mort. Mais fouillez-le donc, marin d'eau douce que vous êtes. Bien, bien compris, chef. Oh, Jim, je vais m'évanouir. Non, maman, voyons. Laissons là ce chien. Il est déjà venu ici. Quelqu'un a bouleversé le coffre de fond en comble. Tu l'as trouvé? Il y a un peu d'argent. On fiche de l'argent. La carte de Flint. La carte de Flint, où est-elle? Elle a disparu. Ah, c'est ce môme pleurnichard. J'aurais dû lui arracher le bras. J'aurais dû lui arracher le bras. Faut partir d'ici. Quoi? Pressez vos chevaux. Attendez. Johnny Wallace. Vous n'abandonnerez pas le vieux Pew, camarade. Courez-leur après, mes enfants. Fouillez les buissons. Jim! Jim! Madame Hawkins! Nous sommes là, docteur Lipsy! Nous sommes là! Oh, mon Dieu, mon Dieu!
Qui était-ce? Mais les gens qui voulaient tuer le capitaine, mais il est tombé raide mort, comme vous l'aviez prédit. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait lui voler quelque chose dans son coffre. La carte de Flint, il me semble. Je ne sais pas, c'est tout ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça signifie? La carte de Flint? Mais il n'existe qu'un seul Flint. Je sais cela. Oh, ce n'est qu'une carte. Qu'est-ce que c'est que cette petite croix rouge ici, docteur? Emplacement du trésor. Sur mon âme. Montez vite. Dans la voiture. Tous les deux. Vince, reviens tout de suite. Mais où allons-nous, docteur? Chez Messire Trelawney. Jim, mon garçon, tu as peut-être découvert le plus grand secret du siècle. C'est bien cela, je vous le dis. Messire Trelawney, vous en êtes sûr? Sûr? Mais oui, c'est la véritable carte du trésor de Flynn, l'île même où il est enterré. Latitude, longitude. Jim, regarde ici. Voici le bloco, c'est la palissade qui ont permis aux pirates de repousser l'attaque. Messire, vous vous mettez dans un état de surexcitation. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Mais aussi vrai que deux et deux font quatre, nous allons déterrer ce trésor, n'est-ce pas, Jim? N'est-ce pas, Jim Hawkins? J'ai une pelle à moi, monsieur. Une pelle. Tu auras beaucoup mieux que ça. Tu seras le garçon le plus riche d'Angleterre, du monde entier. Mais, messire, un moment, voyons. Il nous faut un bateau et un équipage. Demain, je partirai pour Bristol. Dans deux semaines d'ici, j'aurai le plus beau navire et le meilleur équipage d'Angleterre. Les Lascars qui nous ont attaqués cette nuit ne reculeront devant rien pour s'emparer de cette carte. D'autres aussi, peut-être. Il nous faut procéder dans le secret le plus absolu. Exactement, monsieur, exactement. Des sphinx tous. Tu as entendu, Jim? Des sphinx tous. Il n'y a qu'un homme dont j'ai vraiment peur. Et qui est-ce donc, monsieur? Qui est-ce donc? Nommez ce chien. Vous, monsieur, car vous ne savez pas tenir votre langue. Moi? Moi? Mais docteur, du diable si... Lisez, vous avez toujours raison. Je resterai muet comme la tombe. Hey, bonjour, Jim. Comment ça va, mon garçon? Oh, quel magnifique voyage, monsieur. Pour notre bateau, on part bientôt? Non, pas avant plusieurs jours. Le docteur Lisey n'arrivera ici que samedi. Ah, Hunter. Où est notre bateau? Où il est? Le voici, le beau navire Hispaniola, le meilleur bâtiment qui ait jamais sillonné l'océan. Dieu me bénisse, monsieur. À vos pièces, envoyez une autre décharge, tous ensemble. Une, deux. Mais fiston, est-ce que tu as envie de m'arracher mon autre jambe? Je crois qu'il n'est pas chargé. Mais il faudrait t'en assurer. On dirait que tu es le capitaine de ce bateau, est-ce que je vois, n'est-ce pas? Oh, ben je... Viens donc, Jim, viens donc, je vais te montrer ta... Oh, il voulait savoir si j'étais le capitaine. Le capitaine, mon brave, va nous arriver de Douvres. Puis-je vous rendre service? Non, merci bien, monsieur. Je ne suis qu'un vieux marin venu en clopinant pour respirer l'air salé et me reposer les yeux sur un magnifique navire comme celui que vous possédez là. Oui, je crois que je m'y connais pas mal en bateau. Cela vous ennuierait si je montais à bord, s'il vous plaît? Juste pour un instant. Oh, vous êtes le bienvenu, mon brave. Oh, messire. Par ici. Messire. Par ici, messire. Mon ami. Avez-vous besoin que je vous aide? Mais... Silver est mon nom. Long John Silver, on m'appelle. À votre service, monsieur. Monsieur Silver, Trelawney est mon nom. Messire Trelawney. Et voici notre petit mousse, Jim Hawkins. Salut, moussaillon. Malin comme un singe, on dirait, hein? Assez malin pour voir que vous n'avez qu'une jambe, monsieur. Voyons, Jim. Oui, monsieur. Tu es plutôt vif, Jim. Autant que l'était le canonnier français qui a lancé un boulet et fait passer ma vieille jambe par-dessus bord. Vous avez servi dans la marine, mon brave? Oui, monsieur, sous l'amiral Hawk, devant Biscay. Sous l'amiral Hawk? Oui, monsieur. Y a-t-il beaucoup de marins avec une seule jambe? Mais le pays en est rempli, mon petit. Autant que des cigognes sur un toit. Je vous en prie, monsieur Silver, excusez mon impolitesse. Tiens, petit, tiens. Dénoue-moi ça.
Naturellement, vous comprenez que nous engageons seulement des hommes valides. Ma parole, monsieur. Je ne pensais pas, en clopinant jusqu'ici, que vous pourriez avoir un emploi pour mon unique jambe et pour moi. Oh non, non. Mais est-ce que vous avez déjà un maître coq à bord? Un maître coq? Mais non, pas encore. Eh bien, messire, je possède une petite taverne de marin dans la ville et je sais faire passer n'importe quel morceau de porc salé pour un salmi de faisan. Mais ma parole, Silver, si vous voulez la place, je vous nomme sur le champ cuisinier du bord. Oh, oh, oh. Silver, ce port est rempli d'hommes sans honneur. Sur plus d'une douzaine de marins que j'avais engagés, 8 ne sont jamais revenus, disparus, entièrement. Oh non, c'est vraiment une honte. Je me demande ce qui a pu leur arriver. Une bande d'idiots. De combien d'hommes avez-vous donc besoin? Je voudrais pouvoir compter sur 20 solides gaillards contre les sauvages ou les boucaniers. Oh, vous n'avez pas peur des pirates? Mais Silver, on ne sait jamais. Sans me vanter, monsieur, je connais tous les marins capables de s'embarquer dans le port de Bristol. Que diriez-vous si je vous en amenais toute une troupe ici? Amenez-les, Silver. Mais que Dieu me pardonne, nous engagerons l'équipage de Spolett pour lui et nous pourrons prendre la mer plus tôt. Hein, Jim? Oui, monsieur. Vous avez l'œil pour les marins, monsieur. Attends, petit. Et voilà. Oh, monsieur, est-ce que je peux aller avec monsieur Silver? Oh, mais je... Oh, non, il y a... J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, mais monsieur, je serais si content. Oh, voyons, prenez-le avec vous, Silver. Emmenez-le, montrez-lui le port, les bateaux. Commencez un peu son éducation. Très bien. Arrive, petit, arrive. Voilà comment c'est arrivé, petit gars, voilà comment c'est arrivé. Alors vous auriez été sûrement capitaine si vous aviez pas perdu votre jambe. Oh oui, je serai capitaine, mon gars. Tiens, choisis donc un sifflet de contremaître. Oh. Voilà pour vous. Merci. Je vais te montrer comment on fait. Oh, merci, monsieur Silver. Maintenant, souffle. Voici ma petite auberge, Jim. Je l'ai ouverte pour les vieux marins qui ne sont plus appréciés. Camarades, saluez Jim Hawkins, mousse à bord de l'Hispanolia. Vous serez contents de savoir que j'ai été nommé maître coq. Rien que des amis, Jim. Tous heureux d'apprendre que le vieux John va se guérir en mer. Il n'aurait pas besoin d'autres matelots, par hasard, John. Des gens de confiance, George. Je viens de bavarder avec le propriétaire. Peut-être pourrais-je le convaincre des grandes qualités que mes amis possèdent. Celui-ci, c'est Dandy Dawson. Un gentleman, ce dandy. Il regarde la mer rien que pour son plaisir, qui dit. Il ne ferait pas de mal à une mousse. Votre serviteur, fiston. Enchanté, monsieur Dawson. Et voici William O'Brien. Tu t'imagines, il étudiait pour être prêtre, ce William. Il a perdu son oreille en défendant une femme, une jeune fille de Santiago dont il était amoureux, comme on dit. Comme on dit, fiston. Que Dieu me pardonne. Petit gars, voici Israël Hens. Israël l'affreux, que nous l'appelons. Mais plus honnête que lui, tu ne trouveras pas dans cette pièce, Jim. Enchanté, monsieur Hens. Soyez le bienvenu, maître Hawkins. Où est Johnny? Oh, arrêtez-le!
Arrêtez-le! Mais Jim, voyons. Mais qui est cet homme? C'est le chien noir! Qui, chien noir? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est Boucanier, je vous dis! Boucanier? C'est tout de même pas un de ces pirates dont Messire Très Honnête parlait tout à l'heure. Faut l'arrêter! Allons, l'un d'entre vous a-t-il déjà aperçu cet homme? C'est moi? Non, John. Ce n'est un ami de personne ici, je suppose. Non. Très bien. Faites attention à ce que je dis. Si jamais je vous y prends à tirer une bordée avec un individu comme lui, je vous... Un maudit pirate dans mon auberge. Attends ici, Mousse. Je vais vite chercher mon sac de marin et mon oiseau et nous irons mettre Messire Trelawney au courant. Sacré pirate. Que voici de jolis souliers, Maître Hawkins. Oui, c'est ma mère qui me les a donnés avant que je parte. Et nos deux pieds ont la même taille. On dirait deux bateaux de même tonnage. Oui. J'aime beaucoup les jolies choses. Vous savez? Oui. Oh, un perroquet! Oui, Mousse. S'il y en a qui veulent voyager, qui mettent le cap sur l'Hispaniola. Il est ancré dans le bassin de la Louve. C'est un mâle ou une femelle? Oh, Jim, une femelle. Et d'ordinaire, une jeune fille avec de bien belles manières, que je dis. Allez, bordel! Mon honneur, elle parle joliment bien. Oh, je ne dirais pas joliment, Jim, mais puissamment. Quel est son nom? Capitaine Flint, que je l'appelle. Tiens, Mousse, prends-la un peu pour changer. C'est ça. Tu lui plais, Jim. Oui, mais elle va pas me mordre. Non, ça ne lui arrive jamais. Je croyais que toutes les perruches mordaient. Pas celle-ci. C'est une vraie colombe, mon petit. Tu sais, j'ai réfléchi à propos de Messire Trelawney. Oui, monsieur Sylvain. Appelle-moi Long John, tout court. Oui, Long John. Je crois que nous ne devrions pas lui parler de chien noir. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Oh, le chevalier est très irritable et il a beaucoup de choses en tête en ce moment. Oh oui. De toute façon, nous n'avons pas attrapé chien noir et nous ne pouvons plus rien y faire, pas vrai? Oh, je sais, mais... Écoute donc, une histoire à propos de l'amiral Hawk. Je me rappelle une bataille au large de Lisbonne. Un très jeune lieutenant lui a dit quelque chose sans tenir compte de mes avis et sais-tu ce qui est arrivé? Eh bien, l'amiral a eu une attaque et une écume rosée s'est mise à sortir de ses oreilles pendant 42 jours. Pendant tout ce temps? Oui, monsieur, comme deux petites rigoles lors d'une barrique de bière. Aussi, rien que pour laisser en paix l'esprit du chevalier, nous garderons le silence, hein? Je crois que vous avez raison, Long John. Ah, petit gars, tu es malin comme un singe. Allons, toi et moi allons nous amuser fameusement dans ma cuisine. Oh, yeah! Oh, mais elle m'a mordu! Je suis vraiment désolé. Mais, petit gars, peut-être est-ce parce qu'elle n'est pas habituée à toi. Elle est un peu jalouse. Oui, tu n'as pas envie de laisser ce vieux Long John tout seul. Espèce de... Simple caresse, Mousse. Oui. Petite saleté. Est-ce que les marins sont toujours aussi joyeux quand ils quittent le port? Les bons marins, oui. Tu sais, si ce voyage était un arc-en-ciel et si un tonneau d'or se trouvait à l'autre bout, il ne pourrait pas être plus heureux. Je suis content que vous aimiez le docteur Livesey. Oui, il connaît bien son affaire, Jim. Oh, c'est pas un marin, bien sûr. Mais il peut vous ouvrir le ventre et vous le recoudre en entier. Le recoudre doit être rudement difficile. Oh, mais vous l'ouvrir encore bien plus. Et il faut de l'expérience, Jim. Je pourrais pas le faire. Non, ni moi non plus. Je m'évanouirais comme une personne de qualité, je crois. À dire vrai, je suis un petit sensitif pour le chevalier avec mes compliments. Ah,
monsieur. Ces Silvers n'oublient rien. Ils pensent comme moi que nous allons entreprendre un voyage que nous n'oublierons pas de sitôt. Long John est un homme merveilleux, monsieur. Silver, je vous sers. Oui, oui, oui. Ah, capitaine Smollett, j'espère que tout est à votre convenance et en bon ordre de marche. Il vaut mieux que je parle franchement, messieurs, au risque de vous offenser. Je n'aime pas ce voyage. Je vous le déclare tout net. Mais expliquez-vous, monsieur. J'ai été engagé avec des ordres sous Picacheté pour conduire ce navire où vous me l'ordonneriez. Mais j'ai acquis la certitude que n'importe quel marin du bord en sait plus long sur ce voyage que moi-même. Je ne trouve pas cela régulier. Et vous? Certainement non. Qu'est-ce que savent les hommes? Que nous sommes à la recherche d'un trésor. Mais mon cher... Oh, vous savez, j'ai entendu murmurer cela de tous les côtés. Ainsi que mon second, monsieur Harrow. Livesey, je n'en ai pas soufflé mot. Il faut que ce soit vous ou ce gamin. Oh, sur mon honneur, monsieur, jamais je... Il s'agit bien d'un trésor, je vois. Vous n'avez pas confiance en l'équipage? Oh, il peut y en avoir d'honnêtes. Ce sont tous des héros de la marine. Oui, quand il y a un trésor dans la cale, il y a le feu sur le gaillard d'avant. Aussi prendrai-je certaines précautions avant le départ. Et permettez-moi de vous demander de m'aider. Suivez-moi sur le gaillard d'arrière. Tu vas me raccourcir ses pointes. Tu entends? Bien, capitaine. Capitaine, qu'est-ce que cela signifie, voyons? Moi, Dick et Allen, nous... On ne va jamais casser mon couteau, capitaine. C'est mon habitude pour les longs voyages. Parfois, les mains s'énervent. Capitaine a raison, Jim. Les honnêtes gens ne s'opposent jamais à ce qu'on émousse leur couteau. Entre maître, prends le bâbordais. Fais porter toute la poudre de la cale d'avant dans celle de l'arrière. Bien, capitaine. Bâbordais, fais glisser le panneau de la cale d'avant. Capitaine, cela va m'obliger à déplacer mes provisions. Je les avais mises à l'arrière exprès pour que les légumes ne soient pas grattés par la niaise. Ce sont mes ordres, tais-toi. Va donc dans ta cuisine, il est temps de préparer le dîner. Bien, bien, capitaine. Vous, pourquoi restez-vous ici? Faites ce que l'on vous dit. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Eh bien. Pas de trace d'armes, capitaine. Vous êtes toujours résolu à faire ce voyage, j'imagine. Plus que jamais, oui. Levez l'ancre, monsieur Harrow. Bien, bien, capitaine. Hey, Mousse. Qu'est-ce que tu fais? Oh, le capitaine m'a ordonné de porter mes affaires à l'arrière. Avec ces messieurs, hein? C'est parfait. Oh, mais j'aimerais bien mieux être à l'avant avec vous. Eh bien, histoire de rire. Suppose que je demande au capitaine de changer de cabine avec moi, par exemple, après que nous serons partis. Et toi, Mousse, ne reste pas à ne rien faire. Je ne veux pas de favoritisme sur mon bateau. S'il n'y a qu'un honnête homme à bord, c'est le capitaine Smollett. Honnête, si vous voulez. Mais quelle intolérable prétention. Je considère sa conduite comme arrogant, indigne d'un marin, et à vrai dire, peu anglaise, monsieur. Dieu me bénisse, mais pourquoi que le capitaine me dispute tout le temps? Capitaine est ainsi, Jim, le capitaine est ainsi. Mais tu sais, je me demande ce qui a bien pu faire prendre au capitaine une pareille colère, mon petit. Oh, mais il voulait que... Oh, je ne sais pas. Je voudrais que vous soyez le capitaine de ce bateau, Long John. Je parie que vous pourriez diriger le navire bien mieux que lui. Non, Mousse, le capitaine est un homme très sage, très malin. Dommage qu'un pauvre marin sans éducation ne puisse lui ouvrir le crâne pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, on est en marche! Eh bien, monsieur Harrow. Tout va bien, capitaine. Allez, les drisses, hissez le foc. Faites place près du bord. Très bien. Hissez les huniers. Hissez les huniers. C'est la vergue et le cacatois. Thank you.
l'ancre est levée et la voile gonfle au vent. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Et triste sur la grève, tu demeures le rêve des fils de l'océan. Oh, assez de roucoulades, chante-nous quelque chose de gay. L'homme Jean aime cette chanson. Et moi j'aime le rhum, que je dis, j'en boirai un tonneau. Est-ce qu'il y a du rhum à l'arrière? Mais Sir Trelawney ne crache pas sur l'alcool. Et il apprécie la valencienne autour de sa gorge, pour sûr. J'ai un faible pour la valencienne, moi-même. Quel endroit sensible, la gorge. À tribord toute, mon gars. On l'offre un peu. Tu l'as presque laissé échapper cette fois. Et je regardais le vieux Nicodémus. Oh, il nous suivra jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. On lui a pourtant donné beaucoup de pelures de pommes de terre. Oh, ça ne suffit pas au vieux Nicodémus. Il a coutume de suivre les bateaux d'esclaves. Dieu me bénisse, l'océan est plein de morts. Mais il a guéri vos bronches, n'est-ce pas, Lord John? Mais quoi, Mousse? Oui, vous n'avez pas toussé depuis longtemps. Oh, oui. Oui. Elles vont beaucoup mieux, elles sont bien calfatées maintenant. Qu'est-ce que vous ferez après ce voyage? Oh, je retournerai tenir ma vieille taverne, je suppose. Eh bien, ça vous dirait-il de venir vivre avec moi? Avec toi, mon gars? Oui, j'aurai beaucoup plus d'argent après ce voyage. Enfin, je veux dire, il n'y a que maman et moi. Et nous avons une très jolie chambre avec vue sur la mer. Et une brise salée qui souffle des trois côtés. Vous seriez très bien chez nous. Oh, non, non, mon petit, non, non, je ne pourrais pas, vraiment, je ne pourrais pas. En tout cas, vous viendrez nous voir souvent, nous serons toujours amis, n'est-ce pas? Cela, je le promets. Moi aussi, je le promets. Non, mon gars, ne crache jamais contre le vent, cela reviendra sur toi. Crache toujours sous le vent. Cela file comme une mouette. Là qui est mieux. Regardez, Monsieur Haro est encore dans les vignes. C'est pourtant le capitaine qui garde la clé du rhum, Jim. Où l'avez-vous pris? J'ai le mal de mer. Mensonge, vous êtes ivre. Mais monsieur, je n'ai pas bu une fois de plus. Vous êtes ivre. Si cela se reproduit, je vous mettrai au fer. Où avez-vous pris ce rhum? Mais monsieur, je n'ai rien bu du tout. Descendez avant que je perde patience. Et vous deux, Silver, qu'est-ce que vous faites à la barre? Timonier, prenez la roue. Bien, bien, capitaine. Capitaine, dans l'intérêt du garçon, monsieur Haro... Au diable, monsieur Haro! Retournez dans votre cuisine, plus vite que cela. Bien, monsieur, bien, monsieur. Ah, bonjour, monsieur Haro. Avez-vous envie d'une tasse de thé ce matin? Quel fanatique du thé vous êtes, monsieur Haro! J'espère bien avoir l'honneur de vous faire boire votre dernière tasse, monsieur. Eh bien, il n'est pas à l'arrière, capitaine. Ni sur le gaillard d'avant. Pauvre monsieur Haro. Il s'est arrêté dans ma cuisine hier soir encore, monsieur, pour respirer un peu d'air frais. Il était ivre, dites-vous. Il avait encore cédé à son penchant, monsieur. Le vieux Nicodémus a cessé de nous suivre. Haro a dû passer par-dessus bord. Je le crains, hélas. Je regrette, monsieur. Vous vous trouvez à court d'hommes, capitaine. J'inscrirai le décès au livre de bord. Voilà tout. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne comprends pas. Mais Henri, écoute voir. Ne me touche pas, limace. Tu ne me reviens pas, toi et quelques-uns de tes camarades qui sont venus à bord. William, Henri ne me paraît pas très heureux à bord de ce bateau. Tombera pas, Henri. Je resterai en dessous.
encore un requin? Non, non, c'est un marsouin. C'est l'ami du matelot. Tu vois, il y en a toute une compagnie. Est-ce qu'il mangerait quelqu'un? Oh non, non, mon gars. Avoir les marsouins en poupe est bon signe. Ils annoncent un heureux voyage, dit-on. Ils vous suivent au départ du port et vous escortent tout du long. Je crois que personne à bord ne sait quelle est notre direction, sauf les marsouins et le chevalier. Je le parierai. Aubryen, vous montiez au mât avec lui. Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas, monsieur. J'en suis encore tout remué. Henri était mon ami. Il a crié, puis il est tombé comme un plomb. Pauvre Henri. Au moins, il ne saura jamais ce qu'il a frappé. J'en remercie le ciel. Contremaître. Oui, monsieur. Préparez le corps pour l'immersion. Préparez le corps pour l'immersion. La terre, la terre! De quel côté? À bâbord! Voyons. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas très correct. Le nom d'un chien, venez voir. Gray. Je la vois. Où? Regarde de ce côté, au-dessous du gros nuage. Que Dieu me bénisse! Que Dieu bénisse tout le monde, petit gars. C'est notre île. Que la foudre m'écrase si je me trompe. Regardez! La cachette paraît être au flanc d'une colline. Quoi? Cette pomme est pourrie. Jim, cours au tonneau de pommes et rapporte-en de fraîche, veux-tu? Avec plaisir, monsieur. Demain, Livesey, demain, nous débarquerons à l'eau. Et nous aurons les doublons avant le crépuscule. Tu as bien raison de te joindre à nous, Dick. Oui, Dick a dressé l'oreille dès qu'il a su qu'il s'agissait d'un trésor. Tu ne sais pas l'endroit exact où il est enterré dans cette île? Flint y a veillé. Il a laissé son bateau là où nous sommes ancrés. Il a pris le trésor et si brave marin y a débarqué. Quand il est revenu, il était tout seul. Les morts ne mordent ni ne parlent, qu'il a dit. Moi, je suis avec vous. Les autres. Ah, oh, vous voulez dire Gray et Allen? Ce sont des imbéciles. Oui, eh ben nous leur parlons. Écoute voir, John, maintenant que nous sommes là, combien de temps que nous allons rester sans bouger dans un malheureux bateau désarmé? Pour quand l'attaque, John? Le plus tard qu'il me sera possible, pas avant. Nous pouvons tous suivre la direction du retour, mais qui nous l'indiquera? Le capitaine Smollett est un bon navigateur, laissons-le faire. Ils prennent la carte, trouvent le trésor, la porte à bord. Capitaine Smollett nous conduit sous les vents alizés, et puis un jour, tous les gêneurs passent par-dessus bord. À la suite d'une terrible tempête en mer. Tu vaux bien Flynn, John. Et Flynn était vraiment le plus malin de tous. Et Dick, tu es un brave garçon. Tu serais gentil de sortir une pomme du tonneau pour me rafraîchir la bouche, petit. Silver, Georges Merry et les autres distribuent les armes. Je leur ai dit que tu l'avais défendu. Mais ils sont fous. Aïe! Cette mélasse est plus douce que Silver ne l'annonçait. Ephraim, regarde donc si cette caisse de prune ne renferme pas de la poudre et des balles. Qui a caché ses armes à bord du navire? C'est moi. Et je vous dirai quand il faudra les sortir. Et voilà toute l'affreuse histoire, messieurs. Je voudrais bien avoir rêvé. Voilà votre équipage de joyeux garçons. Capitaine Smollett, je reconnais ma stupidité. J'attends vos ordres. Je ne comprends pas qu'ils aient dissimulé aussi étonnamment. Avec votre permission, capitaine, c'est grâce à Silver, un remarquable gredin. Je le trouverais encore plus remarquable pendu à la grand-vergue. Calme-toi, Jim. Doucement, mon gars.
Sans toi, nous étions peut-être tous perdus. Garde ton courage. Mais j'ai pas peur. Voyons un peu, nous sommes 7, y compris le jeune Hawkins ici présent. Nous étions 9. Qu'allons-nous faire? Silver désire ne rien laisser soupçonner et attendre. Et moi, je vais courir cette chance. Nous enverrons l'équipage à terre tout seul. J'ai dans l'idée que cela leur plaira. Ils croient qu'ils vont dénicher tout de suite le trésor. S'ils descendent tous, nous lèverons l'ancre et nous prendrons l'appui. S'ils demeurent à bord, nous essaierons de défendre cette cabine. Et que Dieu nous vienne en aide. Roderick, chargé et distribué les mousquets. Si quelques-uns seulement descendent, vous pouvez m'en croire, Silver les ramènera ici. Doux comme des agneaux. Venez chercher vos armes, messieurs. Jim, tu peux encore découvrir beaucoup de choses pour nous. Exactement, petit gars. Ils te font confiance. Voyons, toi et Silver, étiez de grands amis. Je sais, nous étions camarades. Et nous avions chassé le chevreuil ensemble. Je lui avais même demandé de venir habiter chez moi. C'était vraiment mon meilleur ami. Il m'avait donné. Je n'avais jamais connu quelqu'un comme lui avant. Mais il ne me trompera plus. Ah, alors, je le jure. Le cuisinier à terre, ça porte bonheur. Souquez, les gars. Silver a laissé 6 hommes. L'un d'entre eux est peut-être honnête. Jim! Qui t'a permis de venir à bord? Mais personne! Je... Mais quoi? Jim, viens ici. Attends-moi, petit gars. Jim, est-ce que tu m'entends? Jim, reviens ici. Hunter, Jim a-t-il quitté le navire? Oui, monsieur. Je croyais que ça faisait partie du plan. Mes amis, voilà qui est très grave. Réfléchis bien et décide-toi. Qu'est-ce que tu me racontes là, John Silver? Je ne veux pas écouter des histoires pareilles. Je n'ai pas l'habitude de naviguer de travers. Laisse-moi tranquille. Je suis un honnête marin, tu m'entends? Oui, je n'en doute pas, Tom. Mais tu es malin aussi. J'ai deviné ça la première fois que je t'ai vu. Tu ne vas pas laisser ton honnêteté barrer le chemin à ton intérêt, n'est-ce pas? Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Je crois que ça doit être Allen. Alors, tu as fait tuer Allen, Bondy? Que Dieu recueille son âme de bon marin. Mais tue-moi si tu peux. Je t'en défie. Deux? Pas Jim. Ils ne feraient pas ça. Ils sont capables de tout maintenant. Notre seule chance est de... Ne montez pas sur le pont, vous autres! Retournez dans la cale. Il faut abandonner le navire. Chargez le petit canot avec toutes les provisions et la poudre qu'il peut contenir. Ne perdez pas un instant, mettez le canot à la mer, allons vite. Pourquoi abandonner le navire? Parce qu'ils ont montré leur jeu. Quand ils reviendront, ils monteront à l'abordage.
Ils ont déjà tué deux hommes. Notre tour suivra. Ne peut-on résister? Avec ces traîtres dans notre dos? Si nous essayons de protéger l'arrière, ils mettront le feu. Essayons de nous réfugier dans le blockhaus de Flint. Si la palissade est encore debout, nous pourrons au moins défendre notre peau. Gray, Abraham Gray, nous allons quitter le navire. Je crois que tu es un honnête homme. Si tu veux accomplir ton devoir, sors de là et suis-moi. Je suis avec vous, capitaine. Bravo. Va à l'arrière, aidez avec le canot. Bien, capitaine. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Qui êtes-vous? Je suis Ben Gunn, le pauvre vieux Ben Gunn. Et je n'ai pas parlé à un chrétien depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Vous avez fait naufrage? Non, mon gars! Abandonné! Abandonné sur cette île déserte! Je me suis nourri d'huîtres, de baies, de lait de chèvre. Oh, comme j'ai envie d'une nourriture de chrétien! Vous n'avez pas un morceau de fromage sur vous, par hasard? Non. Non, que vous dites? Eh bien, que je dis, plus d'une longue nuit, j'ai rêvé de fromage, d'une fondue, plutôt. Et puis je me réveillais et il n'y avait rien. Eh bien, si je remonte à bord, je vous donnerai du fromage. Qu'est-ce qui vous empêche de remonter à bord? Ça n'est pas le bateau de Flint, n'est-ce pas? Oh non, Flint est mort. Mais la plupart de ces marins sont à bord, malheureusement pour nous. Un homme avec une seule jambe? Vous voulez dire Sylvain? Si vous êtes envoyé par Long John, je n'ai plus très longtemps à vivre. Je le sais bien. Mais quels sont les autres dont vous voulez parler, petit gars? Eh bien, il y a le docteur Livesey, messire Trelawney et le capitaine. Des messires et des docteurs, que vous dites? Des gentilshommes nés, que je dis. C'est différent. Les avez-vous déjà vus dans l'île? Non! Vivement, docteur, vivement! C'est le dernier voyage. Alors, après avoir été avec Flint, j'ai été sur un autre bateau. Cela se passait il y a 3 ans, et nous avons découvert cette île. Les gars, que je dis, voilà où doit être enterré le trésor du vieux Flint. Débarquons et dénichons-le. 12 jours, nous avons cherché. Chaque jour, ils m'insultaient davantage. Et puis, un bon matin, ils sont tous montés à bord. Quant à toi, Benjamin Gunn, qu'ils ont dit, puisque tu es si sûr que le trésor du vieux Flint est enterré ici, tu n'as qu'à rester pour le découvrir. Était-ce se conduire en gentilshomme? Dites-moi. Et vous l'avez trouvé? Ah, voilà ce que les chevaliers et les docteurs voudraient savoir, que je dis. Oui. Que vous dites? Caché derrière ce rocher, Jim, il y a le canot de peau et d'écorce que j'ai construit de mes propres mains. Vous allez le prendre, monter dedans, aller trouver Messire et lui dire que Ben Gunn a une confiance bien plus précieuse. Plus précieuse, n'oubliez pas. En des gentilshommes nés qu'en des gentilshommes de fortune. Et puis, vous lui pincerez la joue, comme je vous le fais. Pourquoi? Et puis vous lui direz que Ben Gunn l'attend ici, sur cette colline, qu'il vienne... avec un drapeau blanc à la main. Un parole d'honneur, monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mais je répéterai au docteur et à Messire tout ce que vous avez dit. Ils ont commencé à se battre. Qui tire le mieux ici? Monsieur Trelawney, et de beaucoup. Abattez un de ces pirates, s'il vous plaît, monsieur. Dépêche-toi, dépêche-toi. Là. Et puis le boulet. Voilà qui est bien joué, mon vieux. Venez, les gars. Restez aux avirons, Gray. Il est mort. Nous allons couler si nous n'avançons pas. À bord un peu. Nous sommes arrivés, les gars. Sauvez vos mousquets. Jim, grâce au ciel, tu es vivant. Dites, les gars, quittez le canot. La
palissade est notre seule chance. C'est la bande de Spolet. Il marche vers la palissade. Venez, les gars, arrêtons-les. Restez ici. Restez ici, imbécile. Ils vous abattront comme un vol de mouettes. Prenez les gueules et retournez au bateau. Allons, vite, camarade. Vite, 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 pardon. Allez, vite, vite. Amusez-vous, les gars. C'est ainsi qu'on gaspille la poudre. Le drapeau leur montre la place du blockhouse. Si nous le mettions en berne. Baissez le drapeau. Humilier mes couleurs. Ah non, messieurs. Nous avons bien peu de provisions. Mais nous avons une bonne réserve de poudre et de balles. Et par le ciel, messieurs, ce territoire est anglais. Ohé, du blocos ! C'est Silver lui-même. J'ai l'impression que c'est une ruse. Docteur, je vous confie la garde. Gray, Joyce. Que signifie ce drapeau de parlementaire? Capitaine Silver, monsieur, voudrait venir proposer un traité. Capitaine Silver? Qui est-ce? Jamais entendu parler de lui. Moi, monsieur. Moi. Les pauvres gars m'ont choisi comme capitaine depuis votre désertion, monsieur. Que voulez-vous donc, Silver? Une minute d'entretien avec vous. Je n'ai aucune envie de parler avec vous. Si vous voulez venir ici, venez. Mais à la première traîtrise de votre part, je serai sans pitié. Un mot de vous me suffit, monsieur. Je sais reconnaître un gentilhomme quand j'en vois un. Soyez-en certain. Joyce, prends la place du docteur. Eh bien, nous nous trouvons tous réunis comme une grande et heureuse famille. Eh bien, le bonjour, Jim. J'aimerais mieux que vous vous asseyiez, Silver. Asseyez-vous et jetez cette béquille si vous adressez à moi. Allons, allons au fait. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons le trésor. Et nous l'aurons. Vous voulez la vie sauve et avec raison. Eh bien, vous pouvez l'avoir si vous nous donnez la carte de Flynn. Je vous verrai plutôt vous et l'île entière voler en éclats. Mais j'ai une bonne idée. Vous me donnez la carte. Et au moment où le trésor sera sur le bateau, nous vous emmènerons avec nous. Et je vous donne mon appui d'avis avec ma parole d'honneur que nous ne manquerons pas de vous débarquer sains et saufs au premier port civilisé. Vous me donnez votre parole d'honneur, hein? Mon appui d'avis, monsieur. Et n'espérez pas jamais en trouver le plus respecté. Est-ce là tout? Vous avez mon dernier mot, mille tonnerres. Bon, maintenant écoutez-moi. Revenez tous ici, un par un, et sans armes. Et je vous garantis de vous mettre au fer, et de vous ramener en Angleterre, et de vous livrer à la justice. Si vous refusez, mon nom est Alexandre Smollett. J'ai navigué sous le pavillon de Mont-Roi. Et je vous expédierai tous, au fond de l'enfer. C'est votre dernier mot? C'est la dernière parole polie que je vous adresse, par le ciel. La prochaine fois, je vous enverrai une balle dans le corps. Acceptez-vous mes termes? Non. Alors déguerpissez d'ici, mon gars, et sans demander votre arrest. Aidez-moi un peu. Ah, j'aimerais mieux toucher une charogne. Qui m'aidera à me lever? Avant qu'une heure se soit écoulée, je ferai flamber votre blocos comme un bol de ponce. Et ceux d'entre vous qui mourront auront de la chance. Rentrez, camarades, préparez-vous au combat. Tous à vos postes. Ils attaqueront dans une minute. Franchissez d'abord la palissade. Et ne vous servez de vos mousquets qu'en dernier sort. Morgan, toi et les tiens à tribord. Job, toi et les tiens à bâbord. Maintenant, mille canons. À l'abordage! Ils arrivent, capitaine! Eux, quand ils seront sur le mur. Oh.
Vite, un autre, Jim. D'autres armes, Hawkins. Vite, mon garçon. Allons-y, mon ami, vous êtes un homme. Mais vous êtes un capitaine, monsieur. Chargez, chien de mer. Chargez. Sortez, mes amis. Sortez, battez-vous dehors. Vivement. Vivement, mes enfants. Monsieur Gray. C'est celui-ci que je cherchais. Dans la maison, camarade. Ils sont partis. Tirez de vos abris. Maudit cancre là. Maudit chien de mer. Ne vous occupez pas de moi, messieurs. Surveillez-les. Ils ont battu en retraite pour le moment. Matrousse, Jim. Hunter et Joy sont morts, monsieur. Matrousse, Jim, le capitaine Smollett a une balle dans l'épaule. Oui, monsieur. Paix aux âmes d'Hunter et de Joyce. Amen. Combien d'hommes ont-ils perdu? 7. Ah, ils ont leur compte pour aujourd'hui. Cela fait qu'ils sont 9 contre nous 5, messieurs. Une confiance bien plus précieuse, dit-il, hein? Oui, monsieur. Voilà, Gray. Eh bien, Gray. Ils sont campés près du marais. J'ai rampé pour les écouter. Ils sont comme des frelons. Silver est le plus fou. Demain, nous serons tous morts. Que prépare-t-il? Ils construisent des radeaux pour ramener le canot du bateau à terre demain matin. Silver dit qu'il veut réduire un sang dans tout le blocos. Par conséquent, ce Ben Gunn a peut-être notre dernière chance. Es-tu sûr qu'il ait toute sa raison? Mais il est un peu bizarre, monsieur. Il m'a dit de pincer le chevalier. Me pincer? Comment? Je vous demande pardon, monsieur, comme ça. Il est fou. On ne risque rien de le voir. J'ai 2 heures avant l'aube. Je rôderai près de sa clairière. Il leur faut la journée pour débarquer le canon. S'ils attaquent de nouveau, je vous rejoindrai, messieurs. Bonne chance, docteur. Qu'est-ce que le docteur veut faire? Oh, il croit que ce drôle de Ben Gunn peut nous aider. Comment, je ne sais pas. Qui dit, que je dis, qui disent, rien du tout. Il nous sera impossible de résister à un canon, Smollett. Si nous pouvions nous arranger pour faire dériver le bateau, nous les empêcherions d'avoir le canon. Ils seraient sans munitions. Nous n'avons pas de canot. Et il est certain qu'ils surveillent les gueules. Je sais. Le docteur a raison. Notre seule chance, c'est ce fou de Ben Gunn. Ne t'éloigne pas trop, Jim. Oh non, monsieur, mais il fait chaud ici, monsieur. Tu es un imbécile, William. Et ta figure me donne mal au cœur. Tu entends? Imbécile! Mal au cœur! Ah.
dérivons. Nous dérivons. L'ancre est perdue. Le câble est coupé. Ils sont le fort que nous allons droit sur un récif. Remettez-vous, monsieur Hen. Vous êtes blessé? Ouais, mais pas autant que ce pauvre William qui est mort. Ce n'était pas un très bon marin, ce William. D'où est-ce que tu sors, gamin? Je suis monté à bord prendre possession de ce navire, monsieur Hen. Et vous pouvez me regarder comme votre capitaine jusqu'à nouvel ordre. Pas possible, capitaine Hawkins. Qui pourrait diriger ce navire en se passant de mes conseils? Mais moi, je... Écoutez, donnez-moi à boire et à manger. Et un morceau d'écharpe ou un vieux mouchoir pour panser ma blessure. Et je vous dirai comment naviguer. C'est une proposition honnête, je crois. D'accord, monsieur Hen. Mais je ne veux pas naviguer sous ce pavillon. Et je vais l'enlever, si vous le permettez. Dieu sauve le roi! Ceci est la fin du capitaine Silver! Et maintenant, à vos blessures, monsieur Hen. Jamais je n'oublierai ce que vous faites, capitaine Hawkins. Vers quel endroit dirigeons-nous ce navire? Pas celui où nous étions ancrés, soyez-en sûrs. Ah. J'ai regardé la carte de cette île. Connaissez-vous une crique nommée Anse du Nord? Vraiment, oui. C'est, je crois bien, quelque part sur l'autre rivage. Eh bien, c'est là que nous allons. Ah. Je vais échouer le bateau tranquillement sur la plage. Là où personne ne sera capable de le dénicher, excepté d'honnêtes gens. Alors, ça suffit-il à votre curiosité, monsieur Hen? Mais, capitaine Hawkins, étant donné cette série de fâcheuses circonstances, il le faut bien. Nous sommes sur la bonne route maintenant. Parfait, capitaine. Vous pouvez amarrer la roue et aller à l'avant, hisser le grand foc. Bon. Quel voyage fatigant! Mais... vous pouvez tenir debout? Et je peux marcher aussi. Peut-être avez-vous besoin de quelques repos, capitaine Hawkins. Ah!
poudre est mouillée, capitaine Hawkins. N'avancez pas, monsieur Hinz, ou je vous brûle la cervelle. Les morts ne parlent pas, vous savez. Je crois qu'il va falloir que nous signions un armistice, Jim. Je t'aurais eu sans ce coup de roulis. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance, tu sais. Je crois que je vais être obligé de... Dieu me pardonne, c'est Jim Hawkins. Une petite visite de politesse, hé hé. Qu'avez-vous fait de mes amis? On les avait tués. Oh non, il n'est plus question de se battre. Nous avons signé un traité, Jim. Un traité? Quelle espèce de traité? Mais nous leur avons laissé la liberté en échange de la moitié de leurs provisions. Mais où sont-ils donc? Oh, simplement en promenade. Mais si tu veux aller les retrouver, tu perds joliment ton temps, Jim. Parce qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi. Vous mentez. Non, Jim. Voyons, Messire m'a déclaré en pleine figure que tu étais un déserteur. Et le docteur? Oh, le docteur a dit que tu avais peur. Ils ne peuvent pas croire ça, c'est impossible, après que... Naturellement, j'ai toujours souhaité que tu t'associes avec nous et que tu prennes ta part. Maintenant, t'y voilà obligé. Et à supposer que je dise non. Eh bien, même si vous trouvez le trésor, votre bateau est perdu, tous vos hommes sont perdus, toute votre entreprise a échoué. Et si vous voulez savoir qui a fait ça, c'est moi. Toi, Jim? J'étais caché dans le tonneau de pommes et je vous ai entendu parler. C'est moi qui ai coupé le cap du navire et tué les deux hommes qui étaient à bord. C'est encore moi qui l'ai emmené là où vous ne le trouverez pas, aucun de vous. Aussi, tuez-moi si vous voulez, mais je me moque de vous. Et je mourrai en moquant de toute votre bande. Je crois que tu le ferais, petit gars. C'est lui qui a pris la carte à Billy Bones. Depuis le début, il nous joue des tours. Hey, oui, oui, arrière, tous! Est-ce toi le capitaine ici, Morgan? Tom a raison! Je suis le capitaine. Et c'est moi qui commande ici. Je sois pendu si je me laisse manœuvrer par toi, John! As-tu envie que nous nous expliquions? Voilà qui est mieux, George Merry. Mais ce garçon a plus de cœur au ventre que vous tous réunis. J'aime ce garçon. Et si vous êtes capable de comprendre le langage que je parle, je vous défends d'y toucher, même du bout du doigt. Ça va, tu as complètement raté cette affaire. Tu n'auras pas le courage de dire le contraire. Et secondo, il y a ce gamin, il mérite mille fois qu'on le tue. Et en troisième lieu, t'as pas voulu qu'on les attaque quand ils étaient en marche. Et pour finir, tu as laissé l'ennemi sortir de cette trappe pour rien. Oh, nous avons des provisions et de la poudre. Mais nous n'avons pas la carte, n'est-ce pas?
Et ce qu'on peut faire ici sans la carte, je voudrais bien le savoir. Georges. Miltonnerre, la voici. Regarde, JF, la signature de Flint, avec une entaille et deux demi-clés. Tiens, mais bravo, regarde. Bravo, Silver, longue vie à John. Bravo, Silver. Hourra pour Silver. Hourra pour Silver. Bravo. De qui tenez-vous cette carte? Du docteur Livesey, petit gars. Vous n'avez pas pu vous en emparer sans les tuer. Oh non, cela fait partie du marché, petit gars. Nous leur laissons la vie, ils nous laissent le trésor. Peux-tu venir avec moi respirer un peu d'air frais, petit gars? Il y a une telle atmosphère de stupidité ici que je ne puis respirer proprement. Viens. Oh, je suppose que c'est la fin de tout maintenant que vous avez la carte. Non, petit gars. Je te reconnais toujours le droit à une part. Non, je vous remercie. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je vous suis reconnaissant de m'avoir défendu. Maintenant, je m'en vais à la recherche de mes amis. Au revoir. Dis, tu ferais bien mieux de rester un peu ici. Peut-être Messire et le docteur ont-ils changé d'opinion sur toi. Oh, oui, mais je... Et puis, je peux me servir de toi comme otage. Restons là, assieds-toi. Un otage? Quel besoin avez-vous d'un otage? Vous dites avoir conclu un traité. Mais les traités ne sont valables que jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de les rompre. Voilà qui n'est pas très honorable. Oh, c'est malin, Jim. Tu vois bien qu'être honorable ne m'a servi à rien. Il a fallu que je leur monte la carte, n'est-ce pas? Mais pourquoi la leur cachiez-vous donc? Oh, il y a trop de marins avec qui partager le trésor. J'essayais de découvrir le moyen de me débarrasser de la moitié d'entre eux. Non, je vois. D'autres meurtres, hein? Oh, non. Pas de meurtres. De la tactique. J'ai souvenir d'un bateau que nous avions capturé au large du Pérou et où nous étions trop nombreux à partager le butin. Alors Flint et moi avons attendu que les marins fussent endormis. Je ne veux pas entendre cette histoire. Très bien, Jim. Mais que s'est-il passé? Flint avait un petit marteau. Nous avons fait le tour de tous les hamacs, puis nous sommes passés derrière les hommes, et alors? Je vous en prie, je ne veux pas savoir. Oh, très bien. C'est sans importance. Nous n'avons fait disparaître qu'une douzaine d'hommes. Hey, du blockhouse! Dites-moi, Silver, est-ce que vous avez vu Jim Hawkins? Jim. Je suis là, docteur Livesey! Grâce au ciel, tu es vivant, petit. Laissez-moi lui parler, Silver. Non, mille sabords, ça doit être une ruse. Ah, oh, lâchez-moi. C'est bien la dernière fois que je te le dis, Georges Méry. Lâche ton bras. Tu me donnes ta parole d'honneur que tu ne t'échapperas pas, Jim? Je la donne. Très bien, alors. Nous allons descendre bavarder avec ce bon docteur. Docteur Livesey, où êtes-vous tous allés? Pourquoi leur avez-vous cédé? Tout ce que je puis te dire, Jim, c'est que nous sommes sains et saufs. Mais où étais-tu donc? Nous t'avons cherché partout. Oh, alors, vous n'avez pas cru que j'avais déserté, ni que j'avais eu peur? Jamais de la vie, mon petit. Oh, vous avez dit qu'il me prenait pour un lâche, qu'il voulait plus me voir. Mais, mon gars, j'ai pensé que cette ruse était utile pour que tu te joignes à nous. Oh, je ne suis pas du tout de leur côté, monsieur, je vous jure que non. Mais où es-tu allé, Jim? Est-ce que... Je me suis sauvé pour faire dériver le navire, comme le capitaine Spolette le souhaitait. Il est maintenant échoué dans l'Anse du Nord. L'Anse du Nord, hein? Montez à bord et partez d'ici. Vous occupez pas de moi. Si vous bougez le petit doigt, je fais feu. Vite maintenant, Jim. Saute la palissade et rejoins-moi. Oh, non, monsieur, j'ai donné ma parole. Qu'est-ce qu'une parole à cette bande de brigands? Vite, mais sauve-toi donc. Oh, mais monsieur, j'ai donné ma parole d'honneur à qui que ce soit, je peux pas la reprendre. Le sentiment de l'honneur, je comptais là-dessus. Jim, nous ne quitterons pas cette île sans toi. Tu as ma parole à moi. Vous partez chercher le trésor, hein? C'est là que nous allons. Eh bien, prenez garde, Silver. Quand vous le trouverez, vous pourrez veiller au grain. Et si Jim Hawkins a une simple égratignure, vous recevrez entre les deux yeux une balle que personne n'essaiera d'extraire. Un grain, mon gars? Ai-je perdu ma route et suis-je pris au milieu d'un cyclone? Je parierais presque. Est-ce
sud-est, 2 degrés est. Je le pensais bien. Juste comme le dit la carte. Vous voyez là un des 6 braves marins que Flint a tué et dont les ossements sont placés en ligne droite avec le trésor. Nous trouverons les 5 autres un peu plus loin, entre nous et les doublons, marchons. Darby McJoy! Darby McJoy! Darby McJoy! Darby McJoy! C'est lui, je vous dis. J'ai entendu Flint appeler Darby des centaines de fois. Va à l'arrière chercher le rhum! Ce sont les derniers mots qu'il ait dit à bord. J'en suis sûr. Je suis perdu. Où ai-je pu entendre cette voix, déjà? Personne sauf nous sur cette île ne connaît ces mots. Ceci est l'esprit de Flint. Il n'y a que les êtres en chair et en os qui parlent. Je n'ai jamais eu peur de Flint quand il vivait, et je n'ai pas peur de Flint mort. Suivez-moi si vous voulez. Voilà où il se trouve. Au milieu de la clairière. Là, allons-y tous ensemble. Mais y'a rien, rien du tout. Non, rien, Jim. On nous a penché. Tiens, Jim, prends ça et songe à te défendre. 2 guinées. Voilà ce que tu appelles 700 000 livres, menteur. Pourquoi ne creusez-vous pas un peu plus profond? Peut-être trouveriez-vous des radis et des navets. Voyons, ce n'est qu'un estropié et un gamin. Faisons-leur le rappel. C'est le moment. Voilà qui les calmera pour de bon, Gray. Docteur Livesey, mais d'où est-ce que vous sortez? Comment êtes-vous ici? Nous pensions bien être utiles, Jim. Regardez, il n'y a pas de trésor du tout. Nous avons fait tout ce voyage et tant de gens ont été tués pour rien. Parole d'honneur, monsieur, je ne comprends pas. Eh bien, n'essaie pas, Jim. Allons plutôt à la caverne de Ben Gunn. Peut-être Ben a-t-il un autre tour dans sa barbe. Barbe? Caverne? Oh, je ne comprends rien du tout. Merci, docteur, c'était un fameux grain. Tonnerre, cette voix. Alors c'était toi, Ben Gunn. Comment ça va, monsieur Silver? Assez bien, merci, que vous dites. Ben, pensez que tu m'as roulé. Gray, passez devant avec Jim. Marchez, Silver. Vous verrez comment vous avez été roulé par tout le monde. Eh bien, t'es-tu assez battu, mon gars? Non, merci. Avance, avance. Oh, Dieu me bénisse! Mais... sur mon âme, mais comment tout ça est-il venu ici? Tout découvert et transporté ici de mes propres mains, que je dis rudement malin, que vous dites. Ben, vous pourrez vous gaver de fromage à partir d'aujourd'hui, que je dis. Oui, que vous dites. Oui, que je dis. Tout est bien ici, Ben Gunn. Tu n'as rien gardé pour toi, j'espère. Dis-moi. Oh, monsieur Silver, que je dis. Silver. Oui, oui. Eh bien, capitaine, je reviens prendre vos ordres. Moi et Jim, nous leur avons joué un fameux tour. Maintenant que nous possédons le trésor, nous nous retrouvons tous comme une grande et heureuse famille. Et... nous avons le trésor. Nous. Vous allez rentrer vous faire juger en Angleterre pour mutinerie et meurtre, mon bonhomme. Regarde, Jim, les feux que jettent ces rubis. Ce sont de bien rudes mesures. Une punition par trop forte, capitaine, pour une simple petite infraction aux règles. Pas à moitié aussi rude et aussi forte que la corde à laquelle j'espère vous voir pendu à notre retour. Vous êtes aux arrêts, Silver. Ne me laissez pas! Ne me laissez pas! Je veux être jugé! Nous mourrons de faim! Nous mourrons de faim! Vous avez eu votre chance, mes amis! Nous prendrons un autre équipage à la Jamaïque.
La frégate a répondu à nos signaux? Disent de venir à bord. Hampton est le commandant. Bien. Bengen, nous confions le bateau. Ne laisse monter aucun étranger à bord. Oui, monsieur. Ah, un bâtiment britannique. Et demain, nous pourrons avoir le plaisir de voir Silver pendu en haut de sa grand-vergue. Eh bien, Jim, es-tu venu gentiment chercher le vieux John pour une petite promenade? Vous apportez ça à la place. Merci, petit gars. Je n'aime pas beaucoup l'alcool. Je croyais que peut-être vous auriez eu envie de commencer à boire. Pourquoi? Est-ce que tous les gens ne le font pas avant d'être pendus? Hein? Pendus? Ils sont tous montés à bord d'une frégate qui est mouillée ici. Ils veulent pas attendre qu'on rentre en Angleterre. Le capitaine dit qu'il peut tenir un conseil de guerre demain. Et le messire dit qu'il désire vous voir pendu à la grand-vergue. Voilà ce qu'on ne peut guère appeler une bonne nouvelle, pas vrai, Jim? J'ai trop de chagrin. C'est vrai, ça. Tu dis qu'ils ont tous quitté le navire? Non, ils ont laissé Ben Gunn en sentinelle. Eh bien, Jim, je suppose qu'il te faudra rester sur le pont et regarder pendre ton vieux camarade. Je peux pas supporter l'idée que vous, ou que n'importe qui... Oh, ne pensons pas à tout ça, Jim. On meurt simplement et puis tout est fini. Très souvent, pourtant, pas aussi vite que les gens l'imaginent. Pourquoi? Mais prends mon cas à moi, par exemple. Je serai là-bas, au fin bout de la grand-vergue. Oui, au fin bout de la grand-vergue avec une corde autour de mon cou. Et puis, ils donneront l'ordre de sauter. Et quand un homme ordinaire saute et que le nœud coulant se serre, ça fait rejeter la tête de côté. En tournant un peu comme ceci, tu vois. C'est ce qui se passe pour un homme normal. Mais pour moi, ce sera un petit peu différent à cause de mon unique jambe, tu vois. Je perdrai l'équilibre, je suppose. Et s'ils n'ont pas placé le nœud coulant exactement comme il faut, très probablement, ce sera petit à petit que je serai étranglé et que j'étoufferai jusqu'à ce que mort s'en suive. À moins encore que je n'avale ma langue. Mais il est vraiment rare que cela arrive, Jim, d'avaler sa langue. Assez, assez! Je ne sais pas comment vous échapperez à Ben Gunn, mais je vous aurai toujours fait sortir d'ici. Ah, je reconnais mon ami. J'espère qu'un jour viendra où je pourrai te rendre l'appareil. Mais... Qu'est-ce que vous avez? Je crois qu'il va falloir que tu m'aides. C'est mon rhumatisme. Ce cachot est tellement humide. Non, 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 par ici. Sous le bras. Merci, mon gars, merci. Où est Ben Gunn? Il monte la garde près du mât de misaine. Cours vite à l'arrière, me chercher un pistolet. Non, non, je ne veux pas qu'il y ait de sang versé. Oh non, pas pour Ben Gunn. Je pourrais lui parler. Lui et moi, nous sommes de vieux amis.
Je veux simplement pouvoir me défendre à terre. Tu sais, c'est un pays sauvage, la Jamaïque. Oh, très bien. Je vous avais dit qu'il fallait pas. Oh. Est-ce que c'est pas terrible? On lui confie la garde d'un bateau et il est plongé dans un sommeil d'ivrogne. Oh, mais il a une bosse extraordinaire sur le front. Ah, il a dû se faire ça quand il est tombé de là-haut et a cogné le pont avec la tête. C'est vraiment dommage. Eh bien, petit gars, ce vieux Land Jaune ne sait pas trop comment s'y prendre pour te dire ce qu'il pense. Je ne crois pas que tu puisses jamais oublier toutes les mauvaises actions que j'ai pu commettre, mais rappelle-toi quels bons amis on aurait pu être. Vous ne serez plus jamais un pirate, c'est promis. Vous ne volerez plus. Non, monsieur. À partir de maintenant, ma route ne s'écartera pas de la plus honnête ligne droite. Je le jure, sur... Et que le grand mât s'abatte. Écoute, je suis content que cela soit arrivé, mon gars. C'est bien ce que j'essayais de t'expliquer et je ne savais pas trop comment. J'ai percé la cloison qui me séparait du trésor, et j'ai volé juste un sac d'or. Mais vous m'aviez promis de ne pas... Enfin, j'ai volé cet or avant de promettre. Mais j'ai libéré ma conscience maintenant, et Dieu sait que ma conscience ne peut plus supporter grand-chose, mon gars. Gardez-le, vous en aurez peut-être besoin. Non, 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 je ne peux pas. Mais il vous faudra manger. Oh, ça ne fait rien, Jim. J'espère m'arranger. Oui... J'espère m'arranger. Eh bien, petit gars. Tiens. Soigne-la. Et surtout, cache-la à fond de cale s'il y a des femmes dans les parages, hein? Oui, je promets de le faire. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Nos routes se rencontreront encore un jour. Mais écoute, écoute-moi. Tu n'as pas emporté tous les lingots d'argent qui étaient dans l'île, n'est-ce pas? Non. Eh bien, qui sait? Peut-être auras-tu plus tard un beau et grand navire, plus grand que celui-ci. Et tu retourneras là-bas chercher le reste du trésor, tu ne crois pas? Et tu auras besoin d'un marin ou d'un capitaine, hein? Peut-être bien. Tu vois? Et qui va arriver clopin-clopant pour naviguer avec toi, si ce n'est Land Jaune Silver? Ce sera l'honnête Land Jaune Silver, alors. Et ensemble, nous pourrons aller là-bas déterrer le trésor et écumer toutes les mers pour tous les trésors de ces îles. Et nous chasserons les chèvres. Et nous nous battrons contre les cannibales. Nous le ferons, petit gars. Cela, je le jure.